Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Reviens t'entraîner. Oh, tu m'as épuisé. Écoute, ta danse n'est pas finie. On s'entraîne seulement depuis 2 heures. Comment est-ce que tu veux faire des progrès si tu ne travailles pas régulièrement et sérieusement? Attila, je suis vraiment fatigué. Choisis un adversaire plus à ta taille. Pourquoi pas moi, Attila? Ça fait vraiment un temps fou que nous ne nous sommes pas mesurés. Oui, et je n'insiste pas trop pour te rencontrer. Tu me bats à chaque fois. Il me semblait pourtant avoir appris qu'il ne fallait jamais s'avouer vaincu. Comment veux-tu faire des progrès? Je ne t'entraîne pas régulièrement et sérieusement. Bon, très bien. Attends, je crois que cette fois, je vais gagner. Prépare-toi à prendre une bonne leçon. Ta fille est devenue vraiment une belle jeune femme. Oui, c'est vrai qu'elle est très belle. J'espère qu'un jour, je pourrai lui apprendre que je suis sa mère. Il y a longtemps que tu ne l'as pas rencontrée. Oh, je crois que tu connais déjà ma réponse. Beaucoup trop longtemps. Mais je n'ai plus l'intention d'attendre. Je vais voler vers elle aussi vite que je le pourrai, sous l'apparence de Zohar le faucon. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh, mais tu penses que ça marchera? Mais oui, ça marchera. Tu doutes de mes capacités de super créateur? Je t'annonce que maintenant, je possède l'arme qui fera de moi le maître d'Eternia. L'arme d'une puissance telle que... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment oses-tu ronfler dans un moment aussi important? J'ai trouvé la solution à tous nos problèmes. Avec cette arme géniale, j'enverrai Musclor dans une autre dimension et il ne pourra plus en revenir. Venez voir avec moi. Vous voyez ce faucon qui passe? Regardez, si un jour vous me désobéissez, ceci pourrait très bien vous arriver. Dans un autre monde, et il arrivera la même chose pour Musclor s'il essaie encore de s'opposer à moi. Mais que s'est-il passé? Ce serait bizarre. Je suppose qu'il m'a envoyé dans un autre monde. Comment quelqu'un, même Musclor, pourrait-il me retrouver dans ce monde inconnu? Ils sont vraiment infatigables. Pourquoi il se fatigue autant que ça? Oh non! C'est le deuxième point que je marque, encore un, et j'ai gagné. Mais je te l'ai déjà dit, c'est toi le meilleur. Non, ne dis pas ça et bats-toi, je n'ai pas encore gagné. Très bien, on va continuer. Cette fois, j'ai failli te toucher. Tu as failli, oui, mais ça ne suffit pas. Pas si mal. Mais l'élève dépasse le professeur. Bats-toi en silence, Tila. Oh!
Que se passe-t-il, Adam? J'ai entendu une voix. J'ai l'impression qu'on nous appelle. Adam, Tila. Ouais, c'est l'esprit du Château des Ombres. Oh, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des esprits sympathiques. La sorcière a disparu. Comment? Disparu? Je ne réussis plus à entrer en contact avec elle. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où elle peut être? J'ai essayé de la joindre sur toute la planète et je ne l'ai trouvée nulle part. Il faut immédiatement prévenir Musclor, il saura sûrement où la trouver. Je crois qu'il ira tout de suite poser quelques questions à Skeletor. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire, avant lui. Je vais sortir l'aile volante. Non, Tila, tu as une chose beaucoup plus importante à faire pour l'instant. Rends-toi au Château des Ombres. Il est vide sans la sorcière. Tu dois aller prendre sa place. Moi? Voyons, je ne réussirai jamais à la remplacer. Mais personne n'y réussirait. Tu as presque raison. Personne ne peut la remplacer à part toi. Pourquoi moi? Je ne peux pas te l'expliquer. Je te demande seulement ton aide, mais je ne peux pas t'y obliger. C'est à toi de choisir. Je dois avouer que je n'y comprends rien, mais si tu crois que c'est la solution, j'irai. Merci. Peut-être que la sorcière est allée en vacances dans un endroit tranquille. Qu'est-ce que tu racontes, Gringer? Non, si elle a disparu sans avertir, c'est anormal. Et Tila devra assumer une lourde responsabilité. On ne peut pas la laisser toute seule. Bien sûr que non, bien sûr que non. Bon, alors allons-y. Sors ton glaive magique, dépêche-toi, sors-toi. Si tu attends trop, je pourrais commencer à réfléchir. Bon, prépare-toi alors. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la porte toute puissante. Je crois que tu devrais partir toi aussi. Oui, c'est bien mon intention. Tu sais, j'ai très peur au fond de moi, je peux te l'avouer. Tu ne dois pas douter, tu dois avoir totalement confiance en toi, comme je l'ai. Je sais très bien quel genre de femme tu es. Oh, tu es gentil. Voilà le château. Je suis censée remplacer la sorcière. Je ne sais même pas comment y entrer. Dépêche-toi, le temps nous est compté. Et tout d'abord, assieds-toi sur le trône. Oh non, je n'ose pas. Je m'assierai ailleurs que sur ce trône. Je n'ai pas la prétention de faire aussi bien que la sorcière. Allons, tu te sous-estimes, Tila. Il n'y a pas la moindre raison. Ton passé est parsemé des exploits que tu as réalisés. Prends cette place, elle te revient. Nous y sommes, regarde. Oui, mais comment tu as l'intention d'entrer là-dedans? J'évite toujours de me poser ce genre de questions. Je vais à la porte et je l'enfonce. C'est l'alerte. Est-ce que nous serions attaqués? Regarde qui approche. C'est Musclor. Il ose venir seul. Oh oui, et il n'essaie pas de se cacher. Il approche au grand jour. Effectivement, c'est surprenant de sa part. Que peut-il vouloir? Quelqu'un pourrait-il prendre la peine de couper cette sirène? Ah, je m'entends mieux réfléchir. On va le laisser entrer pour savoir ce qu'il veut. Mais pas question de le laisser repartir. On va lui réserver une petite surprise. Deltos, va vite chercher ma nouvelle invention. Ça me fait toujours plaisir de recevoir ta visite, Musclor. Alors tu risques d'être déçu. Oh non, je ne suis pas déçu, bien au contraire, puisque tu viens toi-même te mettre en mon pouvoir. Je viens au sujet de la sorcière. Tu le paieras très cher si tu lui as fait le moindre mal. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je crois que tu le sais très bien. Oh mais absolument pas, moi je ne le sais pas du tout. Je n'ai pas vu la sorcière de près depuis des mois. Si tu ne sais pas non plus où elle a bien pu partir, ça devient très intéressant pour moi. Sa disparition me fait réfléchir. Le château des ombres est vide en son absence. N'oublie pas que je suis là et que je le protégerai, tu entends? Oh oui, oui, j'entends. Dis-moi, j'espère pour toi que tu aimes les faucons. Les faucons? Et pourquoi ça? Parce que la seule compagnie que tu vas avoir pendant longtemps, c'est justement celle d'un faucon. Allez, vas-y! Au plaisir de ne plus te revoir! Mais
où sommes-nous? Eh bien, il me semble que nous sommes dans un autre monde. C'est la nouvelle arme de Skeletor qui nous a envoyé ici. Et à propos de ce faucon, je suppose qu'il l'a aussi envoyé ici sans savoir que c'était la sorcière. Il faut vite la retrouver et ensuite trouver un moyen de repartir sur Eternia. Fais-le vite dans ton esprit, Tila. Concentre-toi bien. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. C'est la première chose que tu dois apprendre à faire, lire dans la boule de cristal pour connaître le passé et l'avenir. Ensuite, tu pourras essayer des choses plus difficiles. Tu veux te reposer un peu? Non, j'ai beaucoup trop de choses à apprendre en très peu de temps. Bon, alors nous allons essayer quelque chose de facile. Essaie de visualiser les environs du château. Je vais essayer. Je crois réussir. Oui, je vois des images qui se précisent. C'est Skeletor. Il est là, dehors. S'il a osé venir jusqu'ici, c'est très mauvais signe. C'est qu'il sait que la sorcière a quitté le château et qu'il a pu aussi se débarrasser de Musclor. Les pouvoirs magiques du château ne peuvent pas agir directement contre Skeletor. Il faut qu'ils passent par toi. Malheureusement, tu ne sais pas encore les utiliser. Mais il faut pourtant faire quelque chose pour le repousser. Aussi seulement la sorcière pouvait être là. N'oublie pas que c'est toi la sorcière. Mais je n'ai aucun pouvoir magique. Attends, je viens d'avoir une idée qui pourrait peut-être décourager Skeletor. La sorcière n'est pas là? J'ai expédié Musclor dans un monde d'où il ne reviendra plus. Plus personne ne m'arrêtera maintenant. Moi, je t'arrêterai, Skeletor. La sorcière? Mais oui, la sorcière, toujours prête à te combattre. Mais on croyait que tu étais parti. Eh bien, vous voyez que c'est faux. Je suis revenue dans mon château. Alors vous feriez mieux de tous vous en aller avant que je fasse appel à mes pouvoirs. Il y a quelque chose d'anormal chez elle, mais quoi? Ah, mais bien sûr, elle n'a pas sa voix habituelle. Mais pourquoi cela? Oh, c'est peut-être un piège, mais je vais vite voir si c'est bien elle. Peux-tu me dire quel sort j'avais lancé sur Musclor quand tu es venu à son secours dans mon donjon? Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes avec toi, Skeletor. Va-t'en tout de suite. D'accord, je m'en irai si tu donnes la bonne réponse. Pourquoi demandes-tu ça? Tu la connais, la bonne réponse? Bien sûr que je la connais, mais toi, tu ne la connais pas parce que tu n'es pas la sorcière. C'est qui là? Nentos, attrape-la et amène-la moi. Oui, j'y vais. C'est inutile d'essayer de t'enfuir. Nous sommes les maîtres d'Eternia. Tu ne pourras te cacher nulle part. Esprit, écoute-moi. Je vais être obligée de l'affronter. Je n'arriverai pas à le semer. Je dois avertir le palais. J'ai une idée pour te débarrasser de Nentos. Laquelle? Nentos, par ici! Oh! Non, non, je suis là! Mais ne l'écoute pas, je suis là! Oh! Mais non, pas du tout! Tu ne me vois pas? Ne l'écoute pas, tu vois bien que je suis là! Allez, Nentos, décide-toi vite! Mais peut-être que tu n'es pas capable de choisir tout seul. Oh, attends un peu, je vais te montrer, moi, si je ne suis pas capable de choisir tout seul, tu vas le payer! Ça alors? Oh non! Ce couloir n'a pas d'issue. Oh, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Je te tiens. Est-ce que tu as vraiment cru que j'allais tomber là-dedans? Oh, mais je n'ai pas la seule. Sortez-moi de là! Un de moins. Il n'en reste plus que deux. Non, crois-moi, je ne pourrai pas arrêter Skeletor. Écoute-moi, je pars tout de suite. J'espère que tu pourras distraire Skeletor en attendant que j'arrive. Tu dois absolument empêcher Skeletor de devenir maître du château. Je ne suis pas la sorcière. Oui, c'est vrai, tu n'es peut-être pas la sorcière, mais je sais que dans les situations difficiles, tu fais toujours de ton mieux. C'est pour ça que nous te faisons tous confiance. Alors tout va dépendre de moi maintenant, de moi seule. Alors je dois réussir. Ce cher Musclor de ma part. Elle a été envoyée à son tour dans l'autre dimension. Elle y verra Musclor. Quoi? Merci de m'avoir appris où était Musclor. Ce n'était pas moi. Ce que tu as vu n'était qu'une illusion et rien d'autre. Finalement, j'apprends assez vite. Et deux de moins. Il ne reste plus que Skeletor. Mais avec ceci, je ne devrais pas avoir de problème très sérieux.
Sorcière! Sorcière, est-ce que tu m'entends? Réponds, je t'en prie. Musclor, je t'entends! Je suis prise en piège dans un volcan, mais dépêche-toi! Ça doit être dans celui-là. Allez, dépêchons-nous! Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas rester comme ça. Si je réussissais à détourner le flot de lave, elle serait sauvée. Il faut faire vite. Il faut absolument que tu m'aides. Ce sera beaucoup plus rapide. Allez, commence à creuser. Et voilà. Merci, Musclor. Tu n'as pas à me remercier tant que nous ne serons pas sur Eternia. À nous tous, nous réussirons peut-être à trouver un moyen, grâce à ton glaive. Le pouvoir de ton glaive est intact, quel que soit l'endroit où tu es. Nous dirons tous la phrase magique, et peut-être que son énergie nous permettra alors de retourner sur Eternia. J'espère que tu cherches un moyen de faire revenir Musclor. En tout cas, je vais t'envoyer auprès de lui grâce à ton arme. Et je ne sais pas s'il sera très heureux de te voir. Qu'en penses-tu? Je n'ai jamais été aussi humiliée. Alors, maintenant, tu vas être moins arrogante. Vas-y, donne-lui une leçon dont elle se souviendra. Fais-lui payer très cher cette humiliation. Je te conseille de te tenir tranquille, Skeletor, sinon tu le regretteras. N'aie pas peur, Skeletor. Ce n'est qu'une illusion. Tila m'a fait le coup. Ce n'est qu'une illusion. Alors sois tranquille, je vais vite nous en débarrasser. Ah, oh non, c'est la vraie sorcière. C'est un piège. C'est encore ta faute. Je t'ai écouté et nous voilà tous tombés dans le piège. En tout cas, moi, ils ne m'attraperont jamais. Où est-ce que tu vas, Skeletor? Non, attends! Ne t'en vas pas tout seul! Oh, non, tu ne vas pas t'en aller et laisser ce pauvre Dantus tout seul. Je sais qu'il appréciera beaucoup ta compagnie. J'ai vraiment horreur d'être dans ces situations-là. Alors, te voilà, Tila. Je suis désolée, j'ai pris ta place quelque temps. Mais tu as très bien fait. Tu sais, un trône est un fauteuil comme les autres. En fait, tout dépend de la personne qui s'y assoit, rien d'autre. En tout cas, je ne serai jamais digne de m'y asseoir. Non, là, tu as tort. Si quelqu'un sur Eternia est digne de ce trône, c'est bien toi. J'ai pourtant échoué. Je n'ai pas empêché Skeletor d'entrer ici. Oui, peut-être, mais tu ne t'es pas découragé. Et ensuite, tu as aidé à le chasser. Alors tu vois que tu n'as pas échoué. Tu dois avoir confiance en toi. Oh, je souhaiterais pouvoir te croire. En réalité, je ne suis pas de taille à rivaliser avec toi. C'est une folie de m'avoir choisi pour te remplacer ici, au château. Je connais beaucoup de choses te concernant que je dois taire encore quelque temps. Mais très bientôt, je pourrai te révéler tout ce que je sais. Et ce jour-là, tu comprendras mieux. En tout cas, tu occupes une place très spéciale dans mon cœur. Tu es quelqu'un de formidable. Tu as trouvé le courage de surmonter tes craintes et d'aider ensuite à la défaite de Skeletor. Et tu as sauvé le château. Sans ton courage, nul ne sait ce qui nous serait arrivé. Et je sais que si ta mère, quelque part, te voit, elle est fière de toi. Merci. Tu sais, je n'ai jamais connu ma mère. Mais je peux t'avouer une chose. Je voudrais que ce soit quelqu'un qui te ressemble.